Bonjour, bienvenue à Home City Chess. Alors, on poursuit et aujourd'hui, on va voir les pions passés éloignés. Et vous vous souvenez certainement du renard dans le poulailler. Eh bien, c'est une conséquence vraiment d'un pion passé éloigné. OK? Ça fait... ou d'un pion passé. Fait qu'ici, on a un pion passé. C'est sûr, c'est relativement facile à gagner une fois que tu connais la technique ou le renard dans le poulailler. Ça fait on pousse. On va dessert. Tu sais, il n'y a pas de façon vraiment de s'en sortir. Oups. C'est aussi simple que ça. OK, ça fait... C'est ça. Maintenant, on va regarder une position un peu plus... je dirais un peu plus avancée. Dans le sens qu'il y a deux pions ici. Il y a un pion noir là. Là, là, comme ça. Puis là, c'est intéressant parce qu'on voit comme deux choses. Vous vous souvenez, bien sûr, du renard, blablabla, le renard là, dans le poulailler. Mais ici, on a aussi affaire à le grand gel, parce que vous voyez que le pion ici empêche, d'une certaine façon, pion d'avancer jusqu'à un certain point. Il peut avancer, c'est tout le temps ça, mais il faut quand même calculer. Ça fait, les blancs ici sont gagnants pour deux raisons. Il y a deux raisons. Le pion passé est éloigné. Et la majorité de pions noirs à l'aile dame, à l'aile roi, pardon, okay, la majorité ici, est dévaluée parce qu'il y a un pion qui les empêche. Okay, qui paralyse ces deux pions-là. Alors, le pion passé éloigné va gagner C5, échec, capture. Bon. OK. Il joue roi E6. Pourquoi il joue roi E6 ici? On sait que, disons, s'il joue ici, là, ça retombe un peu dans la même chose. Tu vas aller immédiatement chercher les pions. OK? Donc, roi E6 a une raison. Tu ne peux pas pousser tout de suite le pion. Si tu pousses tout de suite le pion, regarde ce qui se passe. Et tu ne peux pas passer tout de suite, donc. Disons que tu veux essayer d'aller chercher les pions là. Ça. Ne fonctionnera pas. Et tu te feras avoir. Donc, on revient à la position. OK. Roi E6. Donc, on vient de voir, tu ne peux pas pousser là. Parce que le roi aurait le temps de revenir protéger son pion. Tu ne peux pas. Alors, ce que tu fais, étant donné que ce pion-ci... empêche, paralyse ces deux pions-là, tu t'en vas l'autre bord avec ton roi. L'autre bord avec ton roi. Là, qu'est-ce qui est les options? Ouais. Qu'est-ce qui est les options? Il n'y a pas grand-chose. C'est pas mal ça que c'est. Ouais.
Ouais. Disons qu'il va là. Fin de dame. Disons. Il pousse là. Prend en passant. Prise en passant. Oh, tiens, il pousse tout de suite. S'il continue de pousser, disons. Pousse, pousse, pousse. Fait une dame avant. Fait une dame. Puis, revient chercher échec. Capture dame. Supposons qu'il. Oh, quand il a poussé ici, il a pris. En passant. Pousse. Pousse. Va chercher. Marche pas parce que ce pion ici va passer. On va regarder. On peut pas le prendre sinon. Dans les pions. Alors c'est ça. Alors ça, c'est une des manières, une manière très intéressante de voir le renard dans le poulailler et le grand gel. Okay? Parce que ce pion ici, qui était là, paralysait ce pion-ci. Mais c'est quand même, hein, puis ce que les Blancs ont fait, eux, c'est qu'ils ont... c'est quand même important de montrer. C'est... Oups. C'est qu'ils ont réussi à créer un pion. Ils ont créé un pion passé. Donc, important quand même de voir que c'est facile de faire des erreurs. Même si c'est une finale relativement simple, il faut quand même calculer. Okay? Là, moi, je vous donne l'idée, mais il faut quand même qu'il y ait du calcul de fait. Okay? Parce que comme je vous ai montré, si tu joues là, pardon, si tu pousses immédiatement, faut que tu calcules que tu n'as pas le temps d'aller chercher le pion. Okay? Alors c'est ça. Ça n'empêche pas qu'il faut calculer, mais ça donne des idées dans vos têtes, bien sûr. Et puis des idées de plan. Ça fait, ça en a été un petit peu plus loin. J'espère que vous avez aimé. Puis je vais essayer de sortir des finales. Probablement que la prochaine, on va voir une finale très importante. Et que moi-même, je trouve un peu, des fois, difficile de m'en souvenir. Alors, à la prochaine. Hop City Chess!